Attends, ils ont été condamnés à 20 ans, donc... Alors, les palais de Non, c'est que de réunion publique, on a une chouette, par exemple. Alors, si vous voulez en faire chez vous, d'être chouette... Comment elles rentrent là-dedans, les choses? C'est dur. Il n'y a pas longtemps. Ah, ben voilà. Voilà, donc c'est dimanche prochain, premier. Et là, vous avez une liste unique. Non, mais normalement, il devrait être lui au premier coup. Il n'y a pas d'autre liste. Non, mais c'est sûr qu'il n'y a pas assez de temps. Ah, mais alors, justement. Il y a entre autres quelque chose la semaine prochaine à Gervans. Ce sont pas des hyper-enquêteurs. Ils sont allés fêner ça, je sais pas s'ils sont encartés ou voilà. Guitare. Ils sont pas, à la Confédération. Mais, c'est national. Écoute, merci. Rendez-vous à l'hôpital le plus proche, à la boîte de la maison.
Ardèche, dans la Drôme, la ville de la Neuve, ok, d'accord. Donc tout dépend en fait de qui vient de quel temps. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est bien. Vous faites combien de journées de formation par an? Le Romain, c'est un magistrat. Et donc, les premières années, les années, les troisième et les dernières années. Donc la première année, on vous propose un échange débat, ça peut être tellement passionnant que personne ne va s'endormir, donc ça c'est bien, avec Pierre Lamine qui se présentera, qui va se présenter, et Pierre-Yves Marais, qui est ici. Donc une discussion, un échange à propos de l'alimentation, c'est un sujet qui nous tient à cœur évidemment à nous toutes et tous paysans. Pourquoi cette thématique? Parce que déjà on part d'un constat en France qu'il y a de plus en plus de Français qui ont du mal à s'alimenter correctement. Selon un sondage commandé par Secours Populaire, on estime qu'il y a 32% des Français qui ont des difficultés à se procurer une alimentation saine, 3 repas par jour. Donc pratiquement un tiers des Françaises et des Français qui ont du mal à se nourrir correctement, ça devrait tous nous alerter. En tout cas, nous, à la Confédération paysanne, ça nous alerte. Donc il y aura trois grands axes. Le premier, c'est le changement du modèle agricole, ce qu'on défend et depuis longtemps et qu'on essaye de mettre en place par nos différents leviers, notamment vers une transition agroécologique. L'accessibilité à l'alimentation. Et puis le troisième axe, c'est la question des marchés. Comment est-ce qu'on met en adéquation cette offre et cette demande? Des producteurs d'un côté qui peuvent produire une alimentation mais qui n'est pas forcément accessible à tous, et de l'autre côté, les consommateurs. Claire Lamine, je suis sociologue. Je travaille à INRAE, qui est l'Institut de recherche publique en fait, sur les questions agricoles, alimentaires et d'environnement. Et je suis basée en Ardèche, au CERMOSEL, qui est un petit laboratoire rural accueilli au Pradel à Mirabel. Alors, ce qu'on s'est dit, effectivement, c'est qu'on ne voulait pas que ça soit un format conférence, mais plutôt échange-débat, comme disait Aurélien. On proposait même, en fait, d'avoir des échanges entre les différents thèmes. Voilà, donc on va essayer de parler pas trop longtemps et vraiment de laisser ouvert à la discussion. Donc, moi, les sujets sur lesquels je travaille, c'est... Vous entendez bien, ça va? Oui. Globalement, d'essayer de comprendre... ce qui va permettre, favoriser ou au contraire empêcher des changements de pratiques, non seulement à l'échelle des agriculteurs, des paysans, des consommateurs, des mangeurs, mais surtout à l'échelle de système. Parce qu'en fait, justement, on a les politiques publiques notamment ont souvent tendance à reporter la responsabilité à des échelles individuelles, alors qu'il y a, comme on le sait tous, beaucoup d'effets de verrouillage, etc., au plan... plus large et de ce qu'on peut appeler le système alimentaire. Alors, Pierre-Yves Marais, moi je suis producteur de fruits à Saint-Michel-de-Boulogne et je suis avec Aurélien, un des deux co-porte-parole de la Confédération paysanne. Donc nous à la Confédération paysanne, on fait le lien entre si on parle aujourd'hui des sujets qu'on va aborder, on fait le lien entre la nécessaire et obligatoire transition vers une agriculture plus écologique, qui nous paraît aujourd'hui... évidente au vu des conséquences du dérèglement climatique et de la chute de la biodiversité. Donc on pourra parler un petit peu des différents aspects techniques, mais on fait le lien entre cette transition et l'accessibilité alimentaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut difficilement avoir une agriculture qui soit plus vertueuse, qui travaille différemment, et à qui on demande, aux agriculteurs, aux agricultrices, d'être des producteurs de matières premières au plus bas prix, qui est l'objectif des politiques agricoles menées
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça remet tout en cause un système et c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et c'est pour ça qu'en fait, on est un syndicat et qu'en tant que syndicat, ben, on s'adresse directement aux citoyens, aux citoyennes et aux personnes qui sont aux élus, aux politiques publiques, pour leur demander de changer le système. Alors pour ce qui est de la transition écologique, on a tous bien compris, on l'a vu ce matin pour les visites de ferme, que l'agriculture pouvait être faite autrement, c'est-à-dire qu'on pouvait très bien avoir une autre vision que l'agriculture conventionnelle avec beaucoup de traitements, beaucoup de travail de sol, enfin, ou simplement des technologies qui sont assez destructrices. Ce qu'on sait à peu près, c'est que c'est une agriculture plus vertueuse, donc on ne pourra pas avoir les mêmes rendements. Donc forcément, baisse de rendement, augmentation de prix, en tout cas pour chaque exploitation agricole. Et c'est pour ça que sur la crise de début de cette année 2024, nous, on demandait véritablement un travail sur les prix, parce qu'on ne peut pas d'un côté demander aux agriculteurs de faire mieux sans les rémunérer mieux. Au passage, il faut quand même reconnaître qu'il y a un côté assez lugubre dans ce qui a été proposé par d'autres syndicats à ce moment-là, quand on dit on ne veut pas, on veut pas de normes. C'est-à-dire qu'en fait, on voudrait continuer, laisser nous travailler comme on a envie de travailler. Et en fait, les agriculteurs sont quand même, les agricultrices sont quand même les premières victimes de l'utilisation des pesticides. Donc ne pas vouloir accepter les normes, c'est ne pas vouloir accepter la protection des agriculteurs et des agricultrices. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête, que les normes peuvent, pas toutes les normes, mais que les normes peuvent, dans certains cas, protéger les exploitations, les paysans et les paysannes. Donc cette transition agroécologique, il va falloir qu'on la fasse. Et on a un double problème aussi, parce qu'on est non seulement... on sait qu'il va falloir qu'on change de modèle, mais on est en plus victime des aléas climatiques chaque année. On a de plus en plus de problèmes sur les fermes, de soit la sécheresse, soit cette année des tempêtes, etc. Donc c'est difficile d'entamer un changement quand en plus de ça, on doit déjà parer à des problèmes urgents. Mais pourtant, en fait, la solution, elle est véritablement sur un changement de fond.